Et bonjour les amis, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bon dimanche. Alors notre dimanche là, c'est ici. On est en train de pêcher la crevette. Alors juste on arrive, il y a quoi? Il y a 5 minutes qu'on est là. Allez, on n'est pas en forme, hein. C'est les crevettes qui ne sont pas en forme. Oh là là, il a encore manqué. Prépare-toi, Bougounoï. C'est toujours agréable de venir pêcher. Et on peut rigoler. Il y en a qui ne rigolent pas, il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont professionnels. Hein. Ils veulent remplir là. Il va leur remplir la bruiche. Alors si vous aimez aussi un peu la pêche, c'est la pêche à la crevette. Je sais que beaucoup de femmes aiment ça. Des femmes qui ne sont pas spécialement pêcheurs, on va dire. Mais ici, ils se sont régalés. Même s'ils ont fait 2-3 crevettes, ben, ils se sont régalés. Voilà. Donc vous pourrez aussi, en option, prendre un peu... Une heure de temps ou 2 heures de temps à pêcher la crevette. Salut Laila. Eh oui, il faut pêcher les crevettes. Ouais. Là, je suis avec Léo. Voilà, c'est lui qui pêche. Alors, toutes les crevettes qu'on va attraper, ben, on l'emporte à la maison, hein. Voilà, si vous en faites 10 kilos, vous en prenez 10 kilos, ben vous amenez ça à la maison pour les manger. Sawadikap, wani buncho dake. Ani kung, tokung. Lúc sai. Léo n'est pas concentré là, il n'est pas concentré aujourd'hui, le pauvre. Normalement, il y aura des morceaux de porc ce soir, hein, si on n'a pas de crevettes. Hein. Ça va les crap, Hélène. Gros bisous. Bon dimanche à toi. J'espère qu'il n'y a pas trop de barbecue en bas de chez toi. Le boubou là. Il me met au régime hein, avec les crevettes là. Après, je vous amènerai faire un petit tour, je ferai un live un peu plus loin, vers les 16h là, après qu'on ait pêché un peu les crevettes. Voilà. On se concentre sur le bouchon. Mais on est mal placé, franchement. Il y a un reflet dans l'eau, là, on n'arrive pas à voir le bouchon avec le reflet. Et il fait très très chaud, 35 degrés aujourd'hui. Ah ben, si
si ça brûle, ça brûle, ça brûle partout, ben... faites les merguez. Il a raté, il a raté. Voilà un catalan. Vas-y, Boubou, vas-y. Allez. Petite musique sympa ici. Voilà, allez. Alors ici on pêche la crevette avec des morceaux de cœur de poulet. C'est des morceaux de cœur de poulet. Voilà. Allez Boubou, allez. 10 poquets, dis. À une dizaine, ça ferait du bien. Voilà. Pour l'apéro. Ah ben oui, le bœuf. Ah, Catalé. Donc au mois d'août, je suis plein. Septembre, presque. Donc après, on verra pour l'année prochaine, il y a beaucoup de monde. À partir du mois de janvier, février, mars, beaucoup de monde. Au bungalow. Voilà, il vient de couper un peu de morceaux de cœur de poulet. Alors, il y en a beaucoup qui, en plus de l'appât, ben, ils achètent des genres de, on va dire, des sirops, du colorant. Qui a beaucoup d'odeur, donc odeur de poisson, bord de calamar, comme ça. Et ils trempent leurs morceaux de poulet dedans et bien sûr, ben, l'odeur ça attire les crevettes. Donc ils en font, apparemment ils en font un peu plus chaque fois. C'est normal, ils en font un peu plus. Et Boubou il va la faire sa crevette, allez. Pas de soucis Hélène, tu sais que tu viens quand tu veux et voilà, on ira à l'aventure. Salut Dominique, ça fait un moment que je t'ai plus vu mon ami, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux voir, on s'amuse à pêcher la crevette. Sawadika Wani Tokum. Voilà. Bunchulake. Salut Serge. Voilà. Je ne sais pas si on va manger des crevettes ce soir. Allez. Alors il y a un gros concours de pêche. Ah, le Boubou change de place. C'est chaud. Ah.
Ouais, il y a un gros concours de pêche, on ira voir un peu tout ça ensemble. Je vous ferai un petit live sur place. Hein. Il y a beaucoup de monde, hein, c'est plein. L'on, hein? C'est chaud. Le 19, tiens. Oh, regardez où je suis. Je l'ai pas fait esprit. Hein. Le 17, ma date. Hein. Voilà. Et 17, c'est Q. Tout va bien. Tout va bien. Ça va bien se passer. Voilà, on peut voir le petit Léo là. Eh oui, la pêche à la crevette, c'est bien quand on en a. allez Boubou, noi. Il en a une. Allez, vas-y, vas-y. Tiens, tiens, toi, travailler. Allez. Allez. Une catanée. Eh ouais, mais. Tiens, tiens la vidéo. Voilà. Voilà. Les tâches à la crevette. Allez, encore une quinzaine comme ça et ça ira bien. Ça pue, hein. Ça pue bien. Ouais, pas grave. Ah, le boubou il est bien là. Salut Benoît. Ah, t'as sorti le bateau? Ben oui, 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 oui. J'ai beaucoup de clients, Hélène, j'ai beaucoup de clients qui ont bouclé leur séjour à la maison, mais ils attendent d'avoir un peu des tarifs d'avion moins chers parce que ça cartonne. Quoi. J'ai pas le stabilisateur, j'ai juste ma poignée comme ça là. À l'ancienne, je travaille à l'ancienne, voilà.
Il y a des pêcheurs qui vont venir aussi chez moi. Je vous lirai après, là j'ai pas. Non, pas à vous lire. Voilà. Je suis concentré sur le bouchon. Et sur Boubou aussi là. Voilà. On va venir à manger une bonne glace. Sawadika, bonne pour nous, sawadika. Wani a banon sao dek tai song kon len nam ning tai ning lom ban ban che tem wat wan wat banon sao wani banon sao sao mama. J'essaie de balayer un petit peu pour un peu les personnes qui arrivent à pêcher. Ce soir, un bon whisky. Voilà, là-bas, ça pêche. La demoiselle, elle en fait pas mal là-bas. Elle est plus forte que son mari. Qui est juste à côté en rouge avec Playboy. Ah, voilà, elle est poyaï. À côté. Ah, ça rate un peu dur. Ça rate un peu des crevettes là-bas, j'allais dire aux poissons. À la force de parler toujours poisson, pêche du poisson. Boubou, c'est un bouchon. Bon, Annie d'Ao, toi d'où. Bon, je garde un peu de batterie, mes amis, et je vous revois un peu plus tard sur un autre endroit.